Allez, salut à tous, bienvenue sur le live, c'est Rico là. Et aujourd'hui, on attaque The Quiet Man, mais avec le son, donc c'est-à-dire le New Game Plus, en quelque sorte. Voilà. J'espère que vous allez bien, et je suis content de lancer cette vidéo après avoir fini le jeu. Ma foi, moyen pour moi. Je vous laisse regarder les deux vidéos avant si vous voulez vous faire réellement un avis sur le jeu. Entre-temps, nous on découvre le jeu avec le son et je pense qu'on va se régaler. Allez, je me tais un peu et je vais laisser le jeu faire. The savages are out tonight, Kit. Be careful. Eres un botín. Este puto. Este puto. No, this vato cut steps to my lady, my vieja, and says, me lo pelas. Salut Christopher. Lo chingué, pero bien. J'ai lancé The Quiet Man avec le son. Ouais, ça va, écoute, ça va, on a terminé le jeu tout à l'heure, et là j'ai lancé une partie justement avec les sous-titres, les sons, donc ça devrait changer radicalement au niveau de l'histoire et la manière dont on perçoit le jeu. What the hell, man? You stupid or very stupid? J'adore cette scène, fait trop rigoler quoi. Ah, donc c'est vraiment à partir de là que le jeu va changer radicalement au niveau des sons, parce que normalement c'est là que ça se coupe. LOL! En fait c'est un indic le mec. LOL! D'entrée de jeu. D'entrée de jeu, en fait, le premier mec, c'est un indic. Et tu peux pas le savoir, il a le bandana sur la gueule. C'est énorme! Ah, t'inquiète, pas de soucis, Christopher. Oh, pas mal la zik. Ça c'est fait.
the case. Ouch! Je sais pas pourquoi je sens que la deuxième partie va aller vraiment beaucoup plus vite que la première, quoi. Ça va beaucoup beaucoup mieux que la première partie, hein, sincèrement. Ça c'est fait. Putain, on a vite réglé le premier level. C'est 100 fois mieux avec le son quand même, c'est beaucoup plus rigolo. J'ai hâte d'entendre sa voix, lui. Savoir s'il parle comme un sourd ou s'il parle réellement normalement. You guys know the girl I'm talking about, right? You see her last week, remember? And she did the... Okay, so she, you get this, she's in my car, all right? Talking, I'm talking, all right? She doesn't know when... Ah, les sous-titres! Hey, hey. Ah. You know, if you were anybody else, you would not get any address like that. Ouais, voilà, j'en étais sûr qu'il lui parlait des habits. No, not nice. A tailored three-piece is nice, okay? This is ghetto. White ghetto. Shows you got no respect for yourself or Tay. Plus, man, look, you got blood all over you. Ah, pour le sang, en tout cas, il avait pité, quoi. There was dry clean, yo. Crazy.
early riser. Extra credit on your report card, Dane. Prefer extra cash. Ah, il parle normal, quoi. Did you bring presents? A good boy. You definitely get something extra under the tree. Mm. Ah voilà, j'en étais sûr qu'il lui avait dit merci en fait. C'est pas de la beuh, c'est de la coque, mec. Make some big boy noise. Should have put them Dominican bastards down years ago. But they ain't worth the price of the book. Come on. They got lucky and popped the wrong courier. They're not trying to move on us. Third stringers all the way. Pour moi, c'est la même chose, c'est la même merde. T'as raison, mec. Exactement. Look at these shoes, aren't they nice? Come on, measure my shoes. Look at these shoes. Et donc, je savais même pas qu'il s'appelait Isaac, le chef. Come on, man, it doesn't bend this way. Come on, put it down. Of course not. That fat enchilada was in your space. You'd be putting his head on this table instead of my product. One of these days, that motherfucker, he's gonna pay. For what he did. Honor. Meanwhile. Ah, il lui dit cet enfoiré va payer, mais entre temps, lui, il fait rien pour. C'est. Fan mail. For Lala. Third one this month. Ça marche. Give a look. Somehow, shit keeps getting into her dressing room. I know it's part of the path to stardom and all, but some of it beefed up security. She's smart. Knows I'm trying to protect the rising star from a fan. But she ain't seen this shit for her own sake. She's been quiet lately. I know it's ironic telling you this, but she hasn't sung for weeks. Plays the hell out of the piano. Maybe she does know. Maybe it's just her artsy mojo thing working, whatever.
Look, I'll take care of this asshole myself, but I gotta keep my head on business. Which means I'll roll to Chi-Town tonight. D'accord. Je savais pas qu'il partait à Chicago la première fois. Je savais qu'il devait prendre l'avion, mais... My soldiers are competent, but loud. I don't want to upset Lala. The only guy I trust. Take care of my number one girl. It's my number one guy. C'est dingue, n'empêche, comme le son fait tout. Comme le fait de pouvoir entendre, savoir ce qui se passe, savoir ce qui se dit est important, quoi. J'imagine même pas la majorité des sourds, comme ils ont dû être heureux le jour où il y a les sous-titres qui ont commencé à apparaître partout, quoi. Parce que sans sous-titres, arriver à comprendre un film audio, ça doit être mais tellement une horreur, quoi. C'est ce qu'on a fait dans la première partie, en réalité, hein. Là, dans New Game Plus, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de découvrir réellement l'histoire. Vraiment, quoi. Sans se la faire soi-même. Parce que je dois avouer qu'à la première partie, il y a encore beaucoup de points noirs que j'ai pas compris. Alors que là, avec le son, ça devrait aller beaucoup, beaucoup mieux, quoi. C'est quoi que j'ai oublié? Ah voilà les photos, c'est vrai. Ça va? Tranquille, mec. Et merci pour le host, Sansa. Alors attention, pour les gens qui viennent d'arriver, vous risquez de vous faire spoiler. C'est le New Game Plus du jeu, avec le son.
et la compréhension du jeu totale. Donc si vous avez envie de faire le jeu, partez du stream, je vous préviens. Voilà. Ouf. Oh là 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 là. Alors sans le son, c'était déjà assez costaud comme... C'était déjà assez costaud comme, comme passage. Mais là c'est vrai qu'avec le son c'est encore pire quoi. Putain son père comme il insulte quoi. Non il est pas aveugle, ça c'est Daredevil. Non non lui il est sourd. Il est sourd et apparemment voilà il vient de, d'un père alcoolique qu'il tabassait. Et voilà et sa mère est morte assassinée. J'en dirai pas plus pour ceux qui ont pas encore découvert. Mais ouais, tu fais déjà une partie sans le son, parce que tu es sourd. Et là, je refais le jeu, et on te met le son et les sous-titres. Donc c'est vachement plus intéressant pour la compréhension du jeu. Et c'est là où le jeu, en fait, réellement se dévoile. Et où il prend tout son sens. Vraiment, quoi. Là, je m'amuse beaucoup plus la deuxième fois que sur la première fois, tu vois. Et il va se relever encore. C'est bon, il est tombé. Eh bon, il est tombé. Alors comme je disais aussi tout à l'heure, j'ai beaucoup trop parlé sur les deux premières vidéos. Donc là, pour le coup, vu qu'il y a le son, je me tairai un peu, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, après. Je reste quand même là pour y répondre. Tonight. We're good? Yeah. Is there no change of plans from your BF? Nope. He's heading his way over right now. And then he's in the air. And you're on. You make it sound like it's a goddamn show. It is. The greatest performance of my career. The night I was kidnapped. Last chance to change your mind. Never. I'll see you tonight. If we plan this right, then you won't. Dane's here. Yeah, I had a feeling. I saw him a few blocks away. He's had some trouble with Isaac's asshole squad. I thought you took care of them. I took care of our part. But Dane. You know, Dane's his own thing. Yeah, tell me about it. Tay's almost here. Be careful. All right, you too. Donc voilà les gens, vous venez de vous faire spoiler tout simplement. Parce que là on a le point culminant du jeu en fait. Quand on termine une première fois le jeu, le jeu fait quelques flashbacks en arrière avec le son pour nous expliquer réellement au cas où on ferait pas une deuxième partie. Et voilà, vous venez de voir tout simplement sur quoi repose tout le jeu. Voilà. Donc en fait le gros délire c'est ça, c'est que la meuf qui chante organise elle-même son propre enlèvement en fait. Parce que sa carrière commence à devenir totalement plate et sans intérêt. Et pour la relancer en fait ce qu'elle décide de faire c'est de s'allier avec quelqu'un, je veux dire peu encore qui, mais pour relancer sa carrière. Voilà.
Le patron du bar ne le sait pas, donc lui, et le personnage principal ne le sait pas non plus. Donc ça va poser de gros problèmes entre les deux amis, et c'est là que le scénario est une tragédie en réalité. Et c'est là que le jeu prend vraiment tout son sens, en fait, sur cet aspect-là. Voilà. Après, en termes de gameplay et de combat, c'est assez fouillis, c'est assez mal fichu, mais voilà, c'est pas le principal attrait du jeu. And if I beg you not to go? The flowers will go to waste. Ce visage, quoi. You're in a mood? Come on, La. It's 2 days. I could go with. There are plenty of record companies in Chicago. They ain't your sound. Chicago ain't your town. Look, I called some people. People that know people. And they're coming by the club, I swear. But they're gonna want to hear you sing. Tay. How you gonna be a singer if you don't sing anymore? Okay. Okay. Artistic license. I just miss that beautiful voice, you know? Yeah, me too. God damn it, I hate when you pull that ninja shit. Shows you suck at guarded bodies, Babcock. Sup, Dane? Excuse me. Get rid of that. Officially on the next level. I'll keep looking. No. You want La La like Blue now. Fanboy shows his face. You show him to the boiler room for a little talk when I get back. Yeah. Yo, be money. Dane rides with La La. Why? Because he's too lazy to walk. It's okay. Son of a... Sorry. You never heard of ladies first. Be good while I'm gone, Songbird. Sure your boys will see to that. I never win. Never. Take him straight to the club. No stops. Oh. And eyes on La. She get a mind to wander off by herself when I'm gone? Remind her where she belongs. Outside my apartment? What were you doing there? Sweeping the perimeter? Securing points of grass? Spying on? Just work. My fan. You wouldn't know this, but take it slow when he's angry. Is there anything I should know? You're safe. I actually leave you. Though I don't know why I should. You don't look like Tay's typical bodyguard. I'm not. What makes you special? Not special. Committed.
I'm not a boy anymore. Oui, bam, râteau. C'est net, c'est net. Et ouais, c'est un râteau parce que si tu veux, le mec, la fille ressemble beaucoup à sa mère. Donc, si tu veux, il fait un transfert à travers ça. Mais, oula. Ah, me dis pas que le jeu a bugué. Oh putain, les gars, je suis désolé. Le jeu vient de planter. J'hallucine. J'y crois pas, le jeu vient de planter, les gars. Hallucinant. Hallucinant. Allez, je ferme l'application, je la relance.